franchement, la défense de Dadis ne souhaite, du président Dadis ne souhaitait pas poser de questions. Mais je vais quand même revenir sur deux choses pour faire dissiper toute confusion. Monsieur Mansari, c'est bien ça? C'est Mansa. Mansa. Je sais pourquoi j'ai commencé par ça. Donc vous n'êtes pas monsieur Mansari. Mansari Mouira, Mansanira. Vous, vous êtes monsieur Paul Mansa Gilavogi. Et ton nom Paul Mansa Gilavogi. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez entendu dans cette salle le président Dadis déclarer que j'ai été sauvé par monsieur Paul Mansa Gilavogi? Ah, mais il y a le président Falama, il y a Paul Mansa Gilavogi. Nana, ah, il y a le président. Si j'avais sauvé Dadis, c'est une fierté pour moi, j'allais le dire. Ce n'est pas ma question. Est-ce que vous avez entendu dans cette salle le président Dadis dire « J'ai été sauvé par M. Paul Mansa Gilavogi » Est-ce que Dadis a dit « Je ne sais pas si je suis sauvé » Paul Mansa Gilavogi, nananatanga. Arrête d'aller sur Wimerne Nafala. Non, Wimerne Nafala fait. Je l'ai entendu dire. D'accord, ce qu'il a dit, il a dit qu'il a été sauvé par M. Mansari. Aïne, Narinaratanga, Narine, M. Mansari. Est-ce que au moins ça, vous avez entendu ça? Est-ce qu'il y a une femme, Mansari? Mansari et Paul Mansa, Netagikuya. Mansari et Paul Mansa, vraiment, c'est différent. Mais vous l'avez au moins entendu dire qu'il a été sauvé par M. Mansari, pas Paul Mansa. Ah, mais il fallait que Paul Mansa soit sauvé. Il fallait que Paul Mansa soit sauvé. C'est ce que moi aussi j'ai dit. C'est parfait. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce qu'on veut vous faire comprendre que le président Dadis dit avoir été sauvé par vous et qu'il n'a pas dit la vérité. Ou qu'il s'est trompé. Alors, Ewa Mane Rafala, à présent Dadis Naha, Etana Niratanga, Amunondi Falari, A Abaratantan. Bon, moi aussi, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas m'accuser moi-même. C'est parfait. Mais est-ce que, je reviens dessus, est-ce que vous saviez ce qu'on appelle le nom en droit? Le nom. Ekolon, Sariye Kirima, Woma Sariye Kidima. Wakulé Naramba Khili. Khili. Makulu. Non. La défense de Dadis vous dit que le nom est une appellation obligatoire qui permet de distinguer une personne d'une autre personne. Khili Afindiri. Fekaraginara Naram Fatangiti Mirifirin Longori. Est-ce que vous savez que c'est ce qui fait que quand on dit tout de suite Monsieur Mansa Paul, c'est vous qui allez répondre? Mais monsieur Mansari ou monsieur, je ne sais pas, Diallo ne répondra pas. Écolo, Yamanou Gobeya, il a fallu monsieur Paul Mansa, il a fallu monsieur Mansari, il a fallu Ratima, Diallo ne demande pas de Rodébé, il a fallu Ratim. Écolo, Nathan Nakinara. Nakinara. Oui, c'est comme ça. Parfait. Et pour être très précis, est-ce que vous saviez qu'est-ce qui compose le nom? Je ne connais pas. La défense de Dadis vous informe alors que le nom comprend le prénom, le nom de famille ou nom patronymique, le surnom ou le pseudonyme. Ce sont ces quatre éléments-là qui composent ce qu'on appelle le nom. Nangilira, Ikili, Ilambe, Nangalseruma, Khasagatara Lambende, Nangilira. Est-ce que vous saviez que Mansari est un nom de famille? Arakolo Mansari Lambenara Lambe. Nakolo Mansari Lambenara. Oui, je sais que Mansari est un nom. Votre nom de famille, c'est Gilavogi. Anon Etan Lambe Gilavogi Nara. Paul Mansa Gilavogi. Oui, je m'appelle Paul Mansa Gilavogi. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre Gilavogi et Mansari? Est-ce que Gilavogi nous Mansari n'est manien? N'est-ce que
C'est très différent. Alors, lorsque le président Dadis dit « J'ai été sauvé par Mansari », est-ce que ça ressemble à Gilavogi? Président Dadis n'a fallu n'aka Mansari nan ni ratanga nanu Gilavogi manie. Ah, et tout va faire entendre nan nan ting hal tamara. Comme ils disent que de répondre ça, même c'est pas moi. Ne trouvez pas donc que la défense de Toumba continue dans ses confusions depuis le début? Nanara, la défense de Toumba. Et Mire Yaisori, Haito, et Kafa Fole, Haito et Nanane. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président. S'il vous plaît, la défense, il n'y a plus d'autres. S'il vous plaît. À part vous, M. Silla, il n'y a pas quelqu'un d'autre. La défense a, est-ce que la défense a fini d'abord? À part vous, j'ai bien précisé, à part vous, M. Silla, et M. Kourouma, à part vous deux. Il n'y a pas un nouvel intervenant. Voilà. Allez, continuez, vous continuez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, passez le micro. Vous allez finir, l'autre va vouloir répliquer encore, alors que la défense n'a pas terminé. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais venir sur quelques questions de précision avec M. Paul Mansari et M. Paul Gilavogi. M. Paul, maître, vous avez été à l'école? Ah, il s'est gagné à l'école. À deux? Non. Mais dites-moi, en réalité, dans quelle langue vous avez été interrogé par les juges, par le pool des juges d'instruction? Juge d'instruction et moi j'ai un couille mundum. Français. Ok, mais vu que vous n'avez pas été à l'école et vous n'avez pas eu droit à un interprète, comme c'est le cas maintenant, n'est-ce pas? Nana neki ito musiga école, anou interprète mutungwebe alu nakad na ileri nandori seti ma ileri ki anakinara. Ngularaba. Ils n'ont pas fait ça. Est-ce que dans ce cas, vous n'imaginez pas que cette barrière linguistique n'a pas été une difficulté majeure pour vous de dire les choses avec beaucoup plus de précision? Est-ce que nous avons fait des choses et nous avons fait des choses et nous avons fait des choses? C'est comme ça. Est-ce que vous pouvez être rassuré dans une discussion avec une personne qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas bien? Est-ce que cela peut vous rassurer? Est-ce que Miri la Fuluma, Irahe de la Girima, ou non Miri Naram Wayamfe, Ahui Naram Falama, Itamuna Mema? Est-ce Irahe de la Girina Anakui? Rahe de la Girimunakui? Non, non, non. Donc, comme on l'a dit, c'est vrai, vous avez renoncé à un avocat, n'est-ce pas? Itana Falatang, un mois ma bocaron, Itana Falanye. Bon, ma bouma, plein ma sembe. Oui, parce qu'il ne m'a pas montré le plein. Ok, mais il a été dit de l'autre côté là-bas que vous renoncez à un avocat ou pas, et en matière criminelle, vous avez forcément besoin d'un avocat. Et bara fala meni biria, iting avocat, emuting avocara, ha criminel nara, ha gwaliki tinantara, alam avocara soto. Nanara. C'est ça. Donc, vous convenez avec moi que lors de votre comparution devant cette barre, vous avez sollicité un interprète. Et ne pas avoir un interprète à l'instruction, vous trouvez en ce moment que vos droits à la défense ont été violés? Nana neki be etoni ma kwari ma ena afo hui madangi rafa. Nana neki meni bide tomu fa hui madangi ra ebare haka be inye. Alaba na kine. Oui, ça s'est passé comme ça. Ok, dans ce cas, moi je voudrais vous demander ce qui s'est passé devant le pool de juges d'instruction et ce que vous déclarez ici aujourd'hui. Entre les deux, qu'est-ce qui est plus crédible? Anara. Mbana kui ntambare ya makwari isa na kamfala ji d'instruction kwain anu ina kamfala fe to munse na nondira munse na fe gorira na kamfala fe lagina ya ma
Pour moi, ce que je déclare aussi, que toute la population guinéenne comprend, c'est ce qui est pour moi la vérité. Ok, je poursuis mes questions. Donc, vu cette violation grave, que vous n'avez pas bénéficié, le manque d'interprète, est-ce que vous pouvez demander à ce tribunal d'écarter complètement ce PV confus dans les pièces de la procédure afin qu'on tienne compte de ce que vous déclarez devant cette barre? Awa, itomo fakhoui madangi soto. Ena enumbar faga sebedi. Akhedo ma fale le tribunal be e kana kedi tamba gifeya ma fefefe e rakhidi fera inu na kam falabe. Na kinara. C'est comme ça. OK. Maintenant revenons un peu sur les événements du 28 septembre. Ba wonagbi le 28 septembre. Ce procès est dénommé procès des événements du 28 septembre. Et là, qui est le 28 septembre, Mire Rafé Kiti. Est-ce que le 28 septembre, vous avez trouvé à Conakry ou à Kankan? 28 septembre, il dit Conakry n'est qu'à Kankan. N'allez-vous à Kankan? Ça m'a trouvé, j'étais à Kankan. Mais moi, je vous crois. Alors, attends là, Rirago. Vous savez pourquoi? Écoute, Moussara. Parce qu'au nom de toutes les personnes accusées dans cette affaire, Mire Rafé Bilina, qui fait quoi? Personne, aucun d'entre eux n'a déclaré vous avoir vu au stade ou vous avoir ordonné de vous rendre au stade. Na keren yo ma fala ay tan tourne stade khanamara na keren de yo ma fala ay amor gne rasga stade. Na kilala. C'est comme ça. Donc au fait, vous pensez que vous êtes devant cette barre pour les affaires du 28 septembre ou pour une cause que vous ne connaissez vraiment pas? Itambe inabe 28 septembre na makayam fe ibe fe na khamayam munafi kulu. Bon, j'ai perdu tout l'avenir à cause de ce problème. Vous aviez eu à parler de certains détenus. Et ces détenus, est-ce que vous saviez pourquoi ils étaient détenus? Que c'est les gens de patrouille, les gens qui pagaillent, les gens qui boivent la nuit et se mettent à pagailler. C'est ce que les gens de patrouille amènent là-bas. Ok, ce qui veut dire que ces personnes détenues ont été interpellées, mais pas de par votre présence. Non. Et étant donné qu'ils n'ont pas été interpellés à votre présence, vous ne saviez pas réellement les causes pour lesquelles on les interpellait. Et ton souris à Wari, il m'a colon, il va me souffrir colon. Ah, depuis que tu as un problème, c'est toi, de tenir à faire un homme qui a fait bien, mais à renseigner ma colon. Depuis que moi j'ai eu des problèmes à cause de détenus, je me suis écarté, je ne connais aucun de ces affaires là-bas. Ok. Monsieur Paul. Maître. Nous, votre conseil, n'allons pas nous étaler beaucoup dans des questions. Nous attendons d'autres événements pour pouvoir développer nos questions. Mais pour conclure effectivement mes questions à ce niveau, moi j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'il a été rapporté devant vous, il a été rapporté ici, les personnes que vous avez torturées, le ministère public vous a présenté des personnes pour démontrer effectivement que vous, personnellement, vous les avez torturées? Ministère public, procureur, Il n'a vu personne de cela. Donc, étant donné qu'on n'a pas pu apporter encore des personnes pour démontrer effectivement que vous, personnellement, vous les avez torturés, est-ce que vous trouvez que ces personnes qui étaient détenues devant au camp Koundara, ces personnes, est-ce que si vous étiez des... Vous faisiez partie des nombre de tortionnaires. Est-ce que vous apporterez assistance à ces personnes? Anara, ba nayam mofabi, khasali, inunane yamanu, emire na resuru, otanambiri ne enyakankatama, otanane torturema. Est-ce que inoma demeri la badendebe, alo demeri na radna banaki? Munoma na badinu. Je ne pouvais pas le faire. Oui, pourquoi parce que apporter de l'assistance à quelqu'un qui est en détention n'est pas considéré comme un crime en tant que tel, n'est-ce pas? Nananeki mirinde malife atona geli narabafe fe ko bi munaradi.
Donc, le beurre de qualité que vous avez apporté à ces détenus. Et donné une ranso, dit Gilemani. Si réellement vous étiez tortionnaire. Rassalinou, où t'en es torturé fait nous. Qu'est-ce que vous pousserez à lui apporter un soutien médical? Est-ce que il n'a pas sa série Fendabe? Non, je n'allais pas. Est-ce plus que vous pouvez déclarer devant ce tribunal que vous n'êtes pas un tortionnaire? Arrête, non, ma faladé, tribunal, ben, autant à mon miré torturé, ma miré torturé, mitana. Non, ma faladé, monsieur le président, ben, miré torturé, mitana. Je peux dire au monsieur le président que je ne suis pas un tortionnaire. Et pendant que vous étiez au camp Makambo, est-ce que vous avez un statut qui vous permettait de prendre des décisions majeures jusqu'à aller priver des personnes de leur liberté? Et ton camp Makambo, est-ce que ta nom assari en de ton godé, meni, n'a rien, ma rien, miré balan. Mais je n'avais pas la boîte, j'habite là-bas, c'est ce que je viens de vous dire.